Bonjour à tous, Laurent Bike Café, c'est le 44e vélo de Gravel que je vais vous parler. Donc c'est le BH marque espagnole, le modèle c'est le Gravel X, c'est le nouveau Gravel X qui n'a rien à voir avec le précédent. Vous pouvez le voir par vous-même, notamment la forme du triangle arrière. Vous voyez ici on a un pivot, je pense que vous voyez déjà de là-bas, qui permet d'avoir un dépattement de jusqu'à 5 mm selon selon le poids évidemment du rider qui est dessus. On a des bases évidées. Tout ça c'est également pour rajouter de la souplesse verticale. Ensuite, si on s'avance un peu, on a un boîtier PriceFit qui accueille un pédalier FSA, discutable comme choix d'ailleurs, comme équipement. J'en reparlerai plus en détail dans mon article. Également sur l'avant, on a, donc si on revient sur le triangle principal, on a un reach pas si long au final, ce qui impose une potence assez longue, donc une position assez race. Et c'est bien ça qui est dévolu le nouveau BH Gravel X. Il est carrément typé Gravel Race. Voilà. Faut pas se laisser avoir, on pourrait se dire avec cet axe, on a affaire à un 6 mini Cannondale Topstone. Pas du tout. Autant Cannondale Topstone a vraiment une vraie souplesse apportée par ça. Là, c'est vraiment très sensible comme gain. Mais on reste sur quand même un cadre qui est extrêmement dynamique. Très race. Voilà. Alors, heureusement, malheureusement, voilà, chacun tirera les conclusions selon son utilisation. Devant, on voit que le déport s'inscrit tout de suite, comme a pu faire Basso par exemple. La fourche est très rigide, alors c'est bien pour le pilotage, vous le verrez dans d'autres vidéos, parce qu'on a une extrême précision, beaucoup moins pour le confort. Niveau équipement, c'est du Shimano DI2 sur cette version 4. Mono, comme on l'a déjà dit. Les roues, c'est le point faible du vélo, clairement. On est sur l'entrée de gamme Vision en alu, pas du tout adapté à mon sens au gravel. Beaucoup trop lourd, beaucoup trop étroite pour accueillir des pneus de gravel. Absolument grosse faute de BH là-dessus. Le freinage, j'en parle pas, c'est implacable, c'est du GRX. Voilà, quoi dire de plus, vous le verrez sur les petites vidéos, et surtout dans l'article, le lien sera en dessous de la vidéo. On est sur un vélo, je le répète, qui est quand même très typé race, pas des plus polyvalents, donc à réserver vraiment pour un usage très dynamique, je dirais presque all-road. Fuyez les parcours les plus engagés, il n'est pas du tout fait pour ça. Voilà, à bientôt.